On va le faire ensemble, comme ceci, ici, tout simplement. D'accord? Tu vas mettre tes mains comme ceci. Je vais remettre deux aimants ici. Très très fort, beaucoup plus fort de ce que je vais mettre. Ferme tes yeux, concentre-toi. Tu vas visualiser tes bras dans l'espace. Deux aimants, très très fort. Ici, lorsque je vais lâcher ces aimants, ils vont tout simplement. Ça tient. Coller. Coller, complètement collé. C'est comme si j'ai mis de la colle glue, tu ne pourras plus rien faire. À chaque fois que tu vas essayer de plus en plus de décoller, tu n'y arriveras pas, car il va te demander une force incroyable pour essayer de décoller. À chaque fois que je claque des doigts, tu n'y arriveras pas. Tu sens la force. Très bien, ouvre les yeux. Décolle. Très bien, relâche-toi. Très bien. Décontracte-toi. Regarde-nous. Regarde. Dans. Là, tu es bien. Tu es complètement détendu. Relâché. Tu es vraiment complètement dans un. Là, tu es vraiment plaisir. Tu es vraiment relâché de plus en plus. Relâché. Comme si tu avais fait une balle. Vraiment, tu es bien, tu es complètement relâché. Je vais faire un escalier de 5 à 0. Tout simplement, à chaque fois qu'on va descendre une marche, tu vas encore te sentir plus en plus relâché. 5. Tu relâches les muscles de ton corps. 4. De plus en plus relâché. Complètement détendu. 3. Là, tu vas ancrer vraiment au fond de toi. Vraiment complètement au fond de toi. 2. Deux fois plus relâché. Tu es vraiment bien. 1. 0. Cet état de relaxation, on va l'associer au mot d'ordre. À chaque fois que tu prononceras ce mot d'ordre, tu retomberas dans cet état de présentation, dans cet état de bien-être, complètement relâché, complètement détendu. Là, je dis tout simplement, je viens te demander de rester bien en place, parce que tu es fort et trop bien. On va simplement ici fermer les yeux et laisser ta ton bras, comme ceci. Et là, tu visualises ton bras, tout simplement. Et on va accrocher ici ce bras. Ici, on va accrocher tout simplement des ballons d'hélium, des ballons d'hélium. Et plus les ballons montent de plus en plus, et le bras qui monte de plus en plus haut. À chaque fois que je tape les doigts, le bras monte de plus en plus haut, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et là, je vais mettre ici un aimant, et un aimant ici. Et à chaque fois que je claque les doigts, les aimants montent, ça tire petit à petit, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Très très bien. Et là, maintenant, ton bras est complètement collé. Comme si on avait mis de la super glue. La colle sèche quand je claque les doigts. Elle sèche de plus en plus vite, de plus en plus fort. Impossible pour toi de le décoller. Impossible pour toi. Tu peux essayer à chaque fois que tu essaies, ça se colle deux fois plus vite. Deux fois plus fort. Deux fois plus vite. Deux fois plus fort. Et au moment où je vais te dire, en claquant des doigts, tu vas pouvoir décoller ta main. Décolle ta main. Très bien. Ouvre les yeux. Un, deux, trois, avec toi. Très bien. Très bien. Tu sentais la force un petit peu? Ouais. Très bien. Ouais. Tu es bien? Ouais, ouais. Tu veux continuer? J'entends tout. Super. J'ai pas de choix, c'est très, 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 très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Bouge pas. Regarde-moi. Dors. Tu es bien, tu es complètement détendu. Tu es complètement détendu. Et là, tout simplement, je vais tout simplement mettre ta main ici. Et là, tout simplement, j'ai une grosse ventouse, une grosse ventouse, et tu vas t'imaginer imprimer ton prénom en dessous de cette ventouse. Tu envoies ton prénom en toutes lettres, complètement ici, sous cette ventouse. Aspire complètement ce prénom. Il sera impossible pour toi de te rappeler de ton prénom. Impossible pour toi de te rappeler de son prénom, sauf parce que je te le dirai. Ton prénom va se mettre ici dans cette ventouse. Il peint comme ceci. Impossible pour toi, impossible. À chaque fois que tu penses à ton prénom, il s'en va de plus en plus. Comme si tu l'avais au bout des langues. Comment tu t'appelles, moi, c'est Mickaël? C'est des filles, c'est ça? Des filles, non? Non? Impossible pour toi. Lorsque je vais simplement ouvertement, tu vas faire tout ton prénom. Géraldine. Attention, Géraldine, ne bouge pas. Je viens juste ici, là, je vais. Tu le vois, ton prénom, ici?
ton prénom. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas aller juste en dessous de ma main. Regarde-moi, regarde-moi. Ici, je l'aspire. Il est dans ma main. Impossible pour toi. Impossible de t'en rappeler. Impossible. Il est ici. Tant que je n'ouvrirai pas la main, tu te rappelleras pas ton prénom. Comment tu t'appelles? Ouais, c'est impossible, c'est impossible. À chaque fois que je fais des doigts, tu n'y arriveras pas. C'est normal, c'est inconsciemment. Mais regarde bien, lorsque j'ouvre la main, comme ça, boum, ça revient tout seul. Comment tu t'appelles? Géraldine. Géraldine, tu sens bien que ça va? Ok, super. Décontracte-toi, décontracte-toi. Regarde-moi. Très bien. Dors. Je ne sais pas le faire, moi, ça. Quel est le même temps bête? C'est que tu tu reviendras normalement. Mais entre le mot freeze et le mot défreeze, vous pourrez faire un peu plus ce qui s'est passé. Mais t'inquiète pas, ça reviendra après. Donc je répète, lorsque je dis le mot freeze, tu te mettras en statue. Et lorsque je dis le mot défreeze, tout reviendra normal. Mais par contre, eh bien, tu ne te rappelleras pas du moment entre le mot freeze et le mot défreeze. À trois, c'est très bien. Un, deux, trois. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Oui, super. Freeze. Défrise. Salut. Il y a un problème? Non? Attends. Je vais te donner un verre. Frise. Défrise. Ok. Regarde-moi. On va arrêter là, tranquillement. D'accord. Là, tu viens, tu es complètement relâché. Il a fait une expérience extraordinaire. Il est vraiment relâché. Il s'est vraiment étonné, vraiment passionné. Il va vraiment relâché. Il va te ressentir vraiment bien, pleine d'énergie. Tu es fatigué, tu passeras une bonne nuit ce soir. Mais bon, tu te rappelles de quoi, Gigi? Ça va? Ouais, ça va. Tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles de quoi? Moi, je veux faire savoir comme lui. Il a la vidéo, si tu veux la voir. Moi, je me rappelle que je crois que tu es capable de faire des choses. Ça marche, ça marche. Ça marche, ouais. Ça marche. Je te rappelle que tu as oublié ton prénom. Ouais, mais oui. Voilà. Mais, en fait, je me rappelle juste tout ce que tu as dit. Comment tu t'appelles? Quand je dis comment tu t'appelles, mais en fait, je le sais. C'est même ça que je. C'est qui? C'est que ça sort pas. C'est comme si tu t'as dit dors et que tu t'endors. J'avais le cœur. Oui, oui. J'ai dit au bout d'un moment, je vais peut-être, quand j'étais vraiment réveillée, je vais vomir, je vais m'évanouir, imagine le sketch.
Mais le, ce qui m'a le plus choqué, c'est dis ton prénom. Je me sens sourire en me disant, mais tu connais ton prénom. Mais tu peux pas le dire. Je me sens bien. Moi j'ai même pas le temps, j'ai pas eu chaud. Par contre j'avais un. Mais le dos. C'est marrant, on n'a pas avec les parents, j'ai pas eu de chance, j'avais pas de temps. Et c'est marrant parce que moi, je me rappelle tout ce que tu m'as dit. Je me rappelle que tu m'as dit que t'avais vu que t'as pris autre chose pour me le mettre. Mais j'étais incapable. Tu vois, ton prénom, j'avais envie de lire parce que je le sais. Mais j'ai pas envie de lire. Ah non, alors moi, c'est super à terre. De l'expérience. Ah ouais, mais c'est flippant un peu pour, tu vois. Parce que j'ai vraiment été consciente de A à Z. Tu dors, ok, mais ouais. Et tu t'as même pas envie de ouvrir les yeux. Et les mains, tu vois, mets ta main, rapproche, et ça vient tout seul. Ouais, tu peux pas, et décolle.